voilà, donc c'est sur la validation de nouveaux tests de tempérament, plus rapides à mettre en œuvre que ceux de tout à l'heure, et leur relation avec l'utilisation pour le concours de saut d'obstacles. Alors pourquoi caractériser le tempérament des chevaux hein, dans un but appliqué, beaucoup plus pratique, tout à l'heure on a vu plus théorique. Eh bien parce que d'après un grand nombre d'enquêtes françaises, australiennes, irlandaises, le tempérament est le premier critère de choix lors de l'achat d'un cheval. Ça c'est une étude qui est assez amusante, une étude allemande de 2013. Ils ont sondé 1000 personnes de 13 pays différents, de toutes disciplines. Ils leur ont demandé, si on vous donne 1000 euros, vous devez les répartir sur 40 items différents, sur quel item vous les mettriez pour améliorer l'élevage. Et le premier critère qui sort, c'est le tempérament. Ensuite, l'envie de travailler, c'est quand même quelque chose d'assez lié, avant la qualité des allures, du saut, et puis les 36 autres critères. Ben, on le sait, parce qu'un bon cheval, c'est un physique, évidemment, mais pas que. Le fait qu'il soit respectueux, franc, qu'il ait un bon mental, qu'il soit courageux, tout ça, ça vient bien de sa tête. Au niveau international, il faut savoir que la caractérisation sur le tempérament se met en place, notamment en Allemagne. On a un grand nombre de publications qui émergent en ce moment. Alors, Marianne vous a présenté ces tests de tempérament complets qui sont très standardisés, qu'on a utilisés sur les chevaux de valeur à des fins expérimentales. Mais on avait besoin de mettre en place des tests qui soient beaucoup plus rapides pour permettre de tester des centaines de chevaux par an et également qui soient moins coûteux. Donc en 2012, on a repris des tests existants ou on en a créé d'autres, donc c'est qu'on a appelé les tests de tempérament simplifiés pour les distinguer. Et l'objectif des études que l'on a menées là et que je vous présente, c'était de vérifier que ces tests répondaient à trois critères, puisqu'il ne s'agit pas de tester n'importe comment, évidemment. C'est un, qu'ils soient réalisables facilement lors des grands rassemblements de chevaux. Et en France, les grands rassemblements, bah, c'est surtout les concours de modèles et allures sur les chevaux de 3 ans. Qu'ils soient stables dans le temps et entre situations pour répondre aux critères de définition du tempérament, la définition du tempérament, et qu'ils soient reliés à l'utilisation. Donc on a mené deux expériences et je vous présente les données. Donc, d'abord, le protocole de ces tests. Il y a 7 ateliers. D'abord, 3 tests d'émotivité. Alors, des tests de soudaineté. Donc, le principe des tests est excessivement simple, vous allez le voir. Mais la seule chose, c'est de parfaitement les standardiser. Et surtout que les tests mesurent des réactions très distinctes. On a une grande gamme de variations. Et là, vous avez vu 2 extrêmes. On mesure des choses évidemment bien précises, comme les distances de fuite ou les attitudes. Un autre test... Pareil, toujours basé sur des principes simples, mais c'est le côté très standardisé qui fait la qualité du test. On regarde si le cheval va passer sur ce tapis pour aller manger. Et également, on a des grandes gammes de variations, ce qui est très important. On contourne un objet inconnu. Et puis des tests de sensibilité tactile, par exemple celui-ci, où on vient toucher le corps du cheval et on voit cette réponse de frémissement du muscle bossier. Et qui est très variable aussi entre les animaux. On note également les comportements des chevaux lorsque les propriétaires les présentent pour leur modèle et lorsqu'ils sautent en liberté. Donc la première question, c'était de savoir si les tests sont facilement réalisables sur le terrain. Et là, on peut dire que oui, clairement, puisque 650 chevaux ont été testés depuis 2012, ce qui permet d'avoir des assez grandes bases de données. Et cette base de données permet de situer chaque nouveau cheval qui sera testé par rapport à cette population de référence d'âge comparable. Pour savoir si les mesures sont stables dans le temps et entre situations, en 2013, nous avons donc testé 25 chevaux. Donc nous avons fait toute la procédure que je viens de vous présenter des tests de tempérament simplifiés. Puis un mois plus tard, nous avons fait toute la procédure des tests de tempérament complet que Marianne, évidemment, vous a présenté juste avant. Ces tests étant connus pour être stables dans le temps. Et donc nous avons cherché les corrélations entre les deux tests, c'est-à-dire est-ce qu'un cheval évalué comme émotif dans l'un est toujours évalué comme émotif dans l'autre, ce qui montre qu'il y a une cohérence des réponses. Et oui, vous allez voir les corrélations, tous sont corrélés, hormis le test de contournement d'un objet qui n'était sans doute pas assez effrayant. Et puis on voit que les évaluations du comportement lors du modèle et du saut en liberté permettent d'avoir quelques mesures de l'émotivité et de l'activité. Donc ça... Ok, on a donc validé cette stabilité, sauf sur un des tests qu'il faudra améliorer. Et enfin, bah, le plus intéressant sans doute, est-ce que c'est relié au comportement des chevaux lors de leur utilisation en compétition? Donc là, nous avons réalisé 2 études indépendantes. Une en 2013, où on a suivi les 25 chevaux de l'étude tout à l'heure pendant 6 mois, où on les a filmés à l'entraînement en compétition, on a fait des questionnaires.
En 2014, on a retrouvé 15 chevaux de la campagne de caractérisation avec les 650. On les a retrouvés un an après, lorsqu'ils sont sortis en classique à 4 ans. Donc, tout était filmé, bien sûr, tout détaillé. On notait les défenses, les écarts, les hauteurs du saut, s'ils refusent, s'ils se déportent sur le saut, on fait des arrêts sur image. Enfin, on a fait quelque chose de très détaillé. Et bah, les deux études concordent tout à fait. C'est-à-dire que les chevaux émotifs sont moins faciles. Ça, c'est ce qu'on a déjà vu juste avant, mais aussi dans un grand nombre d'autres études. Mais qu'ils ont de meilleures performances en compétition. Donc, c'est ce que je vais illustrer ici. C'est des analyses en composantes principales dans lesquelles on a intégré les variables des tests de tempérament et les variables d'utilisation. Donc, à droite de cette analyse, on a les chevaux émotifs et à gauche, les chevaux peu émotifs. Et en même temps, à droite, on a les chevaux plus compliqués, donc les chevaux émotifs sont plus compliqués. Mais à gauche, on a ceux qui font le plus de pénalités, donc les chevaux émotifs font moins de pénalités. Après, vous savez que les pénalités, ça peut être lié à deux choses. Soit ils font tomber les barres, soit ils s'arrêtent. Donc c'était intéressant de savoir distinguer les deux. Donc on a refait la même analyse. L'analyse tourne, c'est-à-dire qu'on a les émotifs à gauche, les peu émotifs à droite. On voit que les émotifs s'arrêtent, mais que les peu émotifs font tomber les barres. Donc comme en cycle classique, ce sont des cavaliers plutôt professionnels qui montent, les chevaux s'arrêtent assez peu et les pénalités sont plutôt dues aux barres tombées, ce qui fait qu'ils sont plus performants, les émotifs sont plus performants. Donc on voit que chaque type de tempérament présente des qualités à mettre en avant. Soit la facilité, soit plutôt le respect des barres. On a quelques liens avec la sensibilité, hein, les chevaux sensibles ici, c'était mieux laissé canaliser par les aides du cavalier. Donc pour répondre à cette question, oui, ces mesures sont reliées au comportement à l'entraînement et en compétition, puisque les chevaux émotifs sont moins faciles, mais plus performants. Ça confirme quand même un certain nombre de nos études précédentes, et à chaque fois les relations vont vraiment dans le même sens, je pense qu'on peut vraiment maintenant s'appuyer sur cela. Il faudrait aller plus loin sur des chevaux de haut niveau, par exemple. Il faut bien, évidemment, tout le monde le sait, que le tempérament, c'est un seul facteur parmi plein d'autres. Hein. On n'affirme pas que le tempérament fait tout, bien évidemment, ça on le sait. Après, c'était intéressant de comprendre pourquoi est-ce qu'ils sont plus émotifs. Donc, on a fait un certain nombre d'hypothèses. Bah, une hypothèse triviale, c'est que sans doute les chevaux émotifs, hein, qu'osent pas poser les pieds là-dessus, bah, ils ne veulent pas toucher les barres, ce qui les rend sans doute plus respectueux. Une deuxième hypothèse qui va un petit peu plus loin, probablement que les chevaux émotifs sont plus attentifs aux ordres du cavalier. Ça, on a mené des études très expérimentales hein, sur des apprentissages où l'on a vu que les chevaux émotifs apprennent plus vite dans le cas de conditionnement basé sur des renforcements négatifs. Les renforcements négatifs, c'est ce qui est utilisé en équitation. Probablement parce qu'on a une focalisation de l'attention vers les renforcements et la tâche à apprendre, ce qui pourrait donc favoriser ces chevaux dans le cadre du travail. Et la troisième hypothèse qui va un tout petit peu plus loin, c'est que ça concerne les processus d'apprentissage, la façon dont ces chevaux vont avoir tendance à apprendre. On pense, enfin, on l'a vu dans trois études, une publiée et deux soumises, que ces chevaux apprennent de façon plus automatique. Un comportement automatique, au début, quand on commence à apprendre quelque chose, on sait pourquoi on fait les choses, c'est dirigé. Puis à force de les répéter tout le temps, on répond de façon rapide, sans connaître la relation entre son comportement et sa conséquence. Et quand on supprime le renforcement à la conséquence de son acte, on continue toujours à répondre. On voit un peu ce que c'est d'être automatisé, mécanisé. C'est sous-tendu par des régions distinctes dans le cerveau, le striatum dorsolatéral ou le cortex préfrontal dans le cas d'autres processus. Donc on a vu que les chevaux peureux sont favorisés au niveau des automatismes et cette prédisposition pourrait être un atout pour l'entraînement, hein, parce que quand on travaille un cheval, le but est quand même de le mécaniser. J'ai l'impression, on ne me donne pas de signe, donc je vous montre cette vidéo qui vient de YouTube, hein, sans doute. Des personnes la connaissent, donc ce que vous attendez va arriver là tout de suite. Mais ce qui va être amusant, c'est quand définitivement elle sera au sol. Oh. Wow. Voilà. Bon, alors ça, elle n'a pas mal. Hein. Mais ce qui est amusant, c'est de voir ce cheval complètement mécanisé. Donc on peut faire l'hypothèse qu'il a vraiment développé un automatisme, puisque alors il faut la relancer. On m'a dit. Ce cheval va continuer pendant plus de 3 minutes à sauter les obstacles, à faire des barrages, ah oui, des diagonales. D'accord. Alors, il faut que j'aille plus loin, on me dit. Voilà, de toute façon, ça dure longtemps. On a le. Ok, il y a juste la conclusion. Voilà, donc elle est disponible. J'ai simplement trouvé sur Internet. Et voilà, l'idée pour illustrer ce processus complètement automatique.
Il fait même un barrage à la fin, mais bon, je vous laisserai regarder. Donc, en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que ces nouveaux tests de tempérament peuvent être utilisés sur le terrain, mais à la condition qu'ils soient faits correctement, bien sûr, avec des gens formés, parce que l'art, c'est de bien standardiser. Et puis surtout à retenir qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais, en fait. Ça dépend vraiment de ce qui est recherché, du niveau du cavalier. Je remercie toutes les personnes qui ont fait ces tests, les cavaliers propriétaires de chevaux qui nous ont mis à disposition les chevaux et le conseil scientifique de l'IFCE, le fonds Éperon, qui a financé l'étude. Merci. Merci, Léa.